Alors, démarrage de chantier. Démarrage de chantier. Hop, les gaines. Première dalle qu'on va commencer plus tard. Voilà, deuxième dalle. En tout, il y a 90 mètres carrés sur 15 cm. Voilà, c'est parti. Alors, les sacs de chaux, on achète 5. Les sacs de liège 4-10 et 0-4. Les deux bétonnières immer. Il faut bien ça pour pouvoir verser tranquillement et déverser tranquillement. Et là, l'entrée pour les deux dalles chaux-liège. En haut, on va faire un deuxième atelier là-haut pour faire du terre-paille chaud, faire des genres de boucher un petit peu les anti-oiseaux, on va dire. Alors malgré la pluie, on arrive à avancer. Ici, on a du chaux-liège qui est un peu trop mouillé, donc on l'a étalé en petites couches qui nous sert pour boucher les fentes une fois qu'on en avance. Là, on a notre laser réglé 10 cm au-dessus du niveau fini, comme ça, ça tape pile poil sur l'arête de la règle de maçon qui mesure 10 cm. Là, voilà, en plein réglage de tasseau. Voilà un peu de dalle chaux-liège avec Thomas là, qui consolide le tasseau. Nouvelle technique en stéréo à deux pieds. Ici, la dalle chaux-liège avec du 0,4, en dessous on a mis du 4,10. Là, une équipe de 4, l'équipe de droite va essayer de rattraper l'équipe de gauche. Le challenge est quand même tendu, mais les paris sont ouverts. Et ici, la réserve de chaux-liège. Et là, voilà, Cognac G, voilà, c'est ça, avec Xavier qui explique. Impeccable. L'un des avantages aussi de la dalle chaux-liège, c'est de pouvoir tirer avec une règle de 4 mètres à 2 sans aucun souci. Ou une règle de 3 mètres, ou une règle de 2 mètres. Donc voilà. Oui, on ne dirait pas que c'est autant de travail. Bon, on a mis un jour et demi, on était quand même une quinzaine, vingtaine parfois. En dalle, deux dalles, en tout 90 mètres carrés, sur 15 à 20 cm d'épaisseur. Et voilà, c'est enfin. Et bon, on a juste picoré à 1h30, on va manger à 17h. Je crois que c'est la première fois qu'on s'organise comme ça.